Yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour faire très simple, je vais pas gueuler parce que j'ai un putain de mal de crâne. Mais quand je te dis un mal de crâne, il est 5h52 et j'ai un putain de mal de crâne. Un truc bien what the fuck. Me demandez pas pourquoi j'ai ce mal de crâne. Bon, on a fait un live hier sur Polo 76 avec les tirs au but de la Pologne. Et c'est un peu énervé, tu vois. Non mais j'étais quand même content. Un vide grenier, peut-être deux, je suis pas sûr à 100%, peut-être deux. Mais c'est vrai qu'en ce moment, niveau vide grenier en Haute-Normandie, c'est un peu le bordel, quoi. Parce qu'en fait, il y a que dalle. Et c'est ça qui est un peu casse-pied, c'est que quand on est en campagne, c'est vrai que là, on se retrouve avec deux vides greniers. Mais deux, enfin, on se retrouve avec un grand vide grenier de 100 à 200 personnes. Pour certains, c'est petit, mais maintenant, pour nous, c'est énorme. Et un petit vide grenier de 50 et 100 personnes à 20 bandes d'ici, quoi. Donc, je trouve ça un peu dommage. Surtout que normalement, ça devrait être exactement le même cas pour juillet, août. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir beaucoup de vide grenier. Donc, on va voir ce qu'on va trouver. Je pense pas qu'on va trouver des bonnes choses, mais bon. Croisons les doigts. Donc les amis, on y va, je sais pas vraiment si on va trouver quelque chose. Mais bon, voilà, ça fait une petite balade. Il fait pas très beau, mine de rien, il fait pas très beau hein. On a eu du soleil du lundi jusqu'au samedi. Et là, peut-être la pluie. Si on trouve pas des choses, on s'amusera à la foire. J'ai repéré déjà un ratisseur de jeux vidéo. Donc coucou à toi si tu regardes cette vidéo. Ou pas. Parce qu'on s'aime pas, mais personne ne m'aime, personne ne m'aime. Je suis en train de parler avec Coco au téléphone. Je tourne la tête à droite. Regardez qu'est-ce que je vois. Ce que j'ai horreur de faire, c'est demander aux bagnoles. J'ai pas demandé le prix parce que c'est toujours dans la bagnole. Elle est à une personne qui demande dans la bagnole. Voilà. Trop gentil. Voilà, trop gentil. Bonjour. Excusez-moi, vous la faites à combien la console? Ça là? Ouais. 8 €. Vous savez, ça fonctionne ou pas? Non, ça date longtemps. Vous allez voir. Si on n'a pas les télé, ouais, il faut les vieilles télé pour l'essayer. Ouais, oui, je sais. Okay, bah, je vais déjà vous prendre celle-là. Comment? Merci. Tu les regardes? Ouais. Mais faut pas. Ils sont bien tes vidéos. Bon, je suis content parce qu'en fait, c'est pas la N20, c'est la N30. Et la N30, moi je l'avais pas, j'avais que la N20 avec le pistolet. Ok, d'accord, je vois. Combien? Combien les 50 €. C'est donné. Wii U, 50 €. Bon, bravo à la personne qui l'a eu, mais c'est vrai que c'est donné quoi. Dis-moi une Mega Drive 1 à 20 balles, ça t'intéresse ou pas? Une Mega Drive 1 à 20 balles? Non. Non, ok. Ok. C'est un très bon jeu, Versailles. C'est vrai. Et Egypte aussi. C'était sur la PlayStation 1. C'est vrai? Non, Mais ouais, donc... des conneries. Ah, c'est de la merde en plus. C'est vrai, bah ça donne bien. Et j'ai Versailles, l'Égypte. Eh, c'est énorme. Donc, bah les amis, il pleut. Il fait beau, il pleut. Il pleut. Waouh. Oh, c'est Homer. Mais c'est trop petit pour moi. Oh, il va se taire lui, police là. Bonjour jeune homme. Ça va bien la police? Et toi, ça va? Bah ça va bien. Oh, il pleut hein. Même le trilogie, bon bah je prendrai le trilogie hein, c'est pas grave. Je vais vous prendre celui-là. Pinball.
Voilà. Cyril il va être super content quand je lui ai ramené. Oh, je pensais même pas à Cyril, moi. On foutait de ce... Eh, ça ratisse même en bagnole, t'as vu? Ouais, ouais. Eh, les gars, la prochaine fois, je ferai comme vous. C'est énorme. Vous les faites à combien, les jeux? 5 euros. Oh, ok. Vous avez tous les jeux, hein, ils sont... Non, bah, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Hier, je prenais des boîtes, puis j'ai mon fils, mais toutes les boîtes sont vides, il dit, tu manges pas, pas. Non, ça se mange pas. Non, c'est des pugs. Ah ouais, si vous voulez utiliser le carton, vous pouvez, hein. Je sais pas si c'est bon. Faut bien les voler un peu. Oui, bah oui. Hop. Est-ce que vous avez de la monnaie ou pas? Non. Vous les faites à combien les pogs? Non, quoi, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent m'intéresser là-dedans? Je sais rien du tout. Il y en a plein là-dedans aussi. Si je vous fais de l'eau, vous prenez combien? Ouais, j'ai un billet de 10, si ça vous dirait ou pas? Bah oui, les 10, c'est ouais. Bon. Ouais, bon bah les autres. Je vous donne tout, les sacs, voilà, c'est pas. Allez, hop. Bon. Fin du vide-grenier pour nous. Commence à pleuvoir. Ça s'est calmé, mais le temps est encore très beau. Je pense qu'on va rester là, on va rentrer à la maison tranquillement. Je trouvais des bonnes choses. Franchement, j'ai de la chance de retrouver encore un Pokémon en boîte. Ça fait vraiment plaisir. J'aurais encore eu plus de chance, j'aurais pu avoir la Wii U à 50 euros. Mais c'est pas moi qui l'ai eu. Donc ouais, comme je vous disais les gars, assez content de mon vide-grenier, il est 7h50, on va se rentrer à la maison, ça sert à rien, j'ai pas envie de me casser des couilles aller autre part. Surtout que pour aller autre part, faut faire facilement 25 bornes, et j'ai vraiment pas envie de faire 25 bornes. Surtout que, bah, le temps, comme je dis, le temps, il est mi-figue, mi-raisin, franchement, le temps, il a plu, je vais pas dire qu'il y a des éclaircies, mais c'est vrai que c'est un peu chaud, quoi, c'est pas super super. Je suis pas fan de demander, réellement, je suis pas fan de demander, et je l'ai fait deux fois. Et la première fois, c'était pour une NES en boîte. Où j'avais trouvé la Vitrex, c'est mon plus grand vide-grenier, voilà, c'est mon plus grand vide-grenier, c'est sûrement le plus beau vide-grenier que j'ai pu faire. Là, j'ai vu qu'il y avait une personne qui voilà, chaloupait un petit peu sur cette console, je pense. Elle recherche les consoles, elle recherche toute cette personne. Donc bon, bah, c'est vrai que j'ai été demandé un petit peu, voilà, la dame l'a posé sur la table, j'ai regardé, je lui ai demandé le prix, bon, voilà, quoi. Wii U à 50 balles, Wii U à 50 euros, bah, je suis arrivé trop tard. Bien sûr, il y a eu du Mario sur GameCube qui a été pris, mais bon, ça, vraiment, bah, je recherche plus, hein, voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo. J'espère que ce live vous a plu, ce live va sûrement pas durer très très longtemps. Donc, enfin, ce live et aussi le compte-rendu. Donc, les amis, je vous dis à tout de suite pour le compte-rendu vide-grenier. A tout de suite. Bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le compte-rendu. On va commencer par des petits câbles pour la Sega. Tout ça à 2€, donc une manette et une péritelle. Un Mortal Kombat 4. Alors bon, il n'y a que la boîte, la notice, la jaquette. Le jeu dedans, c'est Mortal Kombat Trilogy. Il est tombé, c'est une trilogie qu'il est tombé, c'est une tragédie, comme tragédie 2.0. Payé à 2€, non négocié. Je pense que je passerai à Civil 2.0, vu que je pense pas qu'il doit l'avoir. On va continuer avec de la nouvelle génération, GTA 5 pour 10€. J'ai même pas regardé s'il était complet, s'il y avait tout, s'il était propre, ouais il est propre, il est parfait. C'est vrai que je l'avais pas sur la PS4 et je me dis bah pourquoi pas le prendre. C'est vrai que je regarde beaucoup les vidéos de La Salle, de Hayden, de Bysanka, enfin voilà, c'est vrai que les courses me font kiffer, ça me fait rigoler, voilà. Donc je me dis pourquoi pas faire des courses avec les abonnés ou avec d'autres personnes, on verra, écoute, on verra. Donc pour faire très simple, vous l'avez vu dans le live, je me suis bougé le cul, normalement je fais jamais ça, et j'ai été demandé à la dame parce que je voyais quand même qu'il y avait des personnes qui tournaient juste à côté, qui demandaient, qui regardaient et tout. Je me dis bon, je vais quand même forcer et je vais aller demander combien elle la vend. Donc j'ai fait ça deux fois dans ma vie, deux fois. Donc la première fois c'était pour la NES en boîte à 25 balles si je me trompe pas, et la deuxième fois c'était pour cette console là. Donc Philips N30,
voici comment c'est fait à l'intérieur. Voilà. Hein, tu vois tout, c'est bon. Donc, c'est une console qui est pas très rare. Enfin, c'est pas très rare, c'est pas très cher. Mais beaucoup de personnes passent à côté. Et je trouve ça dommage que les gens passent à côté parce que ça fait partie un peu de l'histoire, comme de l'Amiga, comme de l'Amstrad ou quoi que ce soit. Ça fait partie un peu de l'histoire des jeux vidéo. Donc moi ça me fait plaisir, j'avais la N20 avec ça veut pas se refermer. Voilà, j'avais la N20 avec le pistolet. Et maintenant, j'ai la N30. Et on va finir, les amis, avec un lot What the fuck de Pug. Franchement, j'ai même pas... Voilà, là, j'ai dit, il n'y avait pas de monnaie. J'ai dit, combien vous les faites, les Pug? Donc, il y en a pas mal. J'ai voulu trier une fois, puis je me dis, bon, vu le bordel qu'il y a, vu comment c'est crade, je me dis, bon, vas-y, laisse tomber. Au pire, on donnera ça à quelqu'un, et puis the beep. Pour la deuxième semaine consécutive, j'ai trouvé un Pokémon en boîte. Version émeraude pour cette fois, donc je suis assez content. Il est en bon état. Vous avez la carte VIP, hop, non gratté. Oh mon dieu, la petite notice, voilà. Bon, il y a tout quoi. Donc le tout 5€, enfin 5€ pour le Pokémon et 5€ pour les petits Pugs, c'est ça. Il y en a plusieurs. Donc voilà, c'est terminé pour nous. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup de choses, mais des choses quand même qui sont en qualité, ça fait plaisir. J'en parlerai peut-être dans une vidéo, mais c'est vrai que actuellement je suis plus sur la qualité que la quantité. Donc je laisse passer des choses comme du Mario Party 5 par exemple à 2€. Peut-être que je devrais le prendre pour faire des échanges, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses comme ça. Peut-être que ça peut être intéressant que je les prenne pour vous. Je suis vraiment désolé du live. Je suis en train de faire le montage, je suis pas trop satisfait du live. J'ai pas beaucoup filmé parce que comme je dis, il n'y en avait qu'un seul vide grenier. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Dites-moi en commentaire si le live vous plaît. En tout cas, le live de la semaine dernière, donc du dimanche dernier, vous a plu. Donc c'est cool parce que j'avais mis quand même pas mal de temps pour faire ce live. J'avais mis 4h30, celui-là prendra un petit peu moins de temps. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, protégez-vous et ne faites pas l'amour. Yo les amis, c'était juste pour vous dire que j'avais oublié de vous montrer ceci, que j'avais acheté 50 centimes à la dame qui avait donc la... qui avait quoi? Qui avait plein de choses. Qui avait la N30 et puis les câbles pour la Sega. Donc voilà un petit... je sais pas comment vous le montrer, je vous le montre à l'arrache. Un petit joystick hors série avec pas mal de choses, pas mal de bonnes petites choses. Pas mal de tests, franchement je suis pas déçu, ça fait plaisir, ça va faire beaucoup de lectures, franchement vraiment, franchement super. We'll be right back.